Logement, naturellement. Le logement, ça répond à la problématique de tout le monde, de toutes les familles. L'immobilier, le président de la République l'a rendu péjoratif en disant que c'était une rente. Donc on va oublier les termes péjoratifs puisque ça ne plaît pas au pouvoir. On va prendre le vrai terme, celui qui rend service à toutes les familles. Le problème du logement, c'est aujourd'hui des gouvernants qui ne se rendent pas compte de l'importance du logement et qui vont se réveiller au milieu de l'année prochaine avec une grande crise de tête. Vous savez, 16% des gosses cette année ont renoncé à l'école pour les former parce qu'ils n'ont pas trouvé à se loger. C'est l'échec d'un pays. Si vous ne pouvez pas former les enfants, leur permettre d'accéder à des métiers, leur permettre d'accéder à des postes de cadre, leur permettre d'accéder à des recherches scientifiques, vous amoindrissez le pays. Renoncer à avoir une vraie politique du logement, c'est amoindrir le pays. Et malheureusement, je le dis, c'est ce que je constate aujourd'hui.